Waouh, tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les Breaking News à propos de l'iPhone 8. Et aujourd'hui, on va donc parler de spéculation à propos de l'iPhone 8. Mais juste avant, je tenais à vous préciser avec pas mal de petits soucis. J'espère que vous n'en êtes pas une victime pour l'instant. Si vous avez l'iPhone 7, il y a des problèmes au niveau de l'appareil photo pour l'ouvrir, pour le fermer. Voir l'appareil photo est complètement dysfonctionnel en ce moment avec les nouvelles mises à jour d'Apple. Et sur l'iPhone 7, il y a pas mal de personnes qui s'en plaignent et qui demandent aussi un remboursement. Donc Apple, ils ont pas mal de soucis déjà juste avec l'iPhone 7. Et aujourd'hui, on va parler de spéculation à propos de l'iPhone 8, où il y a des petites choses qui sont relativement très intéressantes. Et en plus de ça, on a des petites preuves, puisqu'il y a pas mal de brevets qui ont été déposés de la part d'Apple et de la part aussi de Samsung. Qui contiennent tout simplement certains prototypes de smartphones qui auront la possibilité d'avoir un écran incurvé, un peu même si c'est déjà le cas du côté de Samsung, mais vraiment du côté d'Apple c'est très intéressant. Et surtout, dans l'avenir, d'avoir des écrans pliables. Je tenais aussi à préciser, je vous ai aussi présenté tout ça sur ma chaîne YouTube, des prototypes avec des écrans pliables. Donc ça existe bel et bien. Et c'est assez performant, sauf que pour l'instant, c'est pas très esthétique, c'est pas très joli. Mais en tout cas, avec l'avancée technologique du moment, on arrive déjà à faire des écrans pliables. Donc c'est assez cool. Après, ici, dans cette vidéo-là, on va pas vraiment parler de à quoi ça sert. Apparemment, c'est pour une meilleure immersion. Bon, après, voilà, je sais pas trop, mais c'est peut-être pas aussi positif que ça, mais voilà. Quoi qu'il en soit, c'est des écrans incurvés, on me fait pas chier. Quoi. Je fais ma vidéo, c'est comme ça, on me pose pas la question à quoi ça sert, je sais pas. C'est eux qui décident, c'est pas moi qui décide. C'est ça. Tu demandes à Samsung et à Apple, au pire des cas, mais pas à moi, je sais pas. Ça provient de Korea et DigiTimes qui affirment en effet que le prochain iPhone, qui va être donc l'iPhone 8, serait bien doté d'un écran OLED et un écran qui serait fabriqué, attention, par Samsung Display. Notons qu'Apple sorte deux types d'iPhone, un classique qui serait toujours doté de l'écran LCD et un modèle haut de gamme qui adopterait lui en gros un écran OLED. Autre nouveauté, Apple passerait également le cap de l'incurvé. En effet, le nouvel iPhone OLED pourrait adopter un écran incurvé de la même manière que les Samsung Edge. iOS pourrait d'ailleurs miser sur cet aspect pour apporter de nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs. C'est relativement intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout ça dans la barre des commentaires d'un futur smartphone qui a un écran incurvé. Après le prix, à mon avis, ça sera complètement dérisoire, ça sera super méga cher. Mais voilà, et puis comme on peut le voir aussi dans les brevets, Apple et Samsung, ils veulent vraiment sortir le premier smartphone au monde, qui a vraiment toutes les fonctionnalités et tout, qui soit un écran pliable. Donc ça, on va voir, même s'il y a déjà des protos qui existent, ils sont peut-être pas forcément 100% fonctionnels. Et donc, ça va être ces deux gros fabricants qui vont faire une course contre la montre au niveau de ces produits-là. Merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir de me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi. Tout ça, c'est dans la description. Et puis, je vous dis à la prochaine les gens, ciao, ciao, peace out.